bientôt, on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de Poudlard. À la suite, du coup, on est après là, le seul village où, du coup, il y a beaucoup de sorciers, de sorcières et toute la magie qu'il y a. Mais surtout, on doit du coup, là tout à l'heure dans l'épisode d'avant, si vous êtes le voir, les gars, j'ai acheté ma première baguette magique que j'ai moi-même personnalisée. Donc, petit point en commentaire si vous validez mes choix. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et là, du coup, on va visiter du coup le navet magique. Non, encore des bêtises. On va visiter le tome des parchemins, là, actuellement. On a quatre endroits à aller voir. Là, on va voici au deuxième. Voici un esprit curieux. Du coup, on va regarder d'abord. Ah. Escalier enchanté. Cet escalier enchanté de la boutique Tome et Parchemin Sous, lorsqu'un certain livre est tiré, le propriétaire du magasin Thomas Brown vend des divers produits, écrit notamment des créateurs. Ah, des créateurs particuliers pratiques pour l'animation. Ça, c'est cool. Et là, j'ai monté un niveau, les gars. Du coup, hop. Wow. Le fameux escalier. Rébellion. Là. Je vais d'abord aller voir en haut, les gars. Il y a des livres derrière. Rébellion. Y'a rien d'autre ? Non. Bon. On va aller le voir du coup. Bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Ah. Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. Appliquez-vous. Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Ah. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Bon, alors... Regardons un peu ce que nous avons. Fourniture. Table portable. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Ah ouais, mais écoute, chat et machin. Coup de chat, frérot. Regardons un peu ce que nous avons. Hmm. On peut vendre les trucs. Non, bah on va pas vendre les trucs. On peut vendre les trucs du coup. Ok. On va aller voir ça plus tard. En gros, on peut vendre des tenues. On a en double le truc. Je crois pas qu'on a des doubles, mais mettons. Est-ce qu'on peut aller par là, ouais. Oh. Ah. On rentre chez les gens comme ça. Hein. Ok. Bon, ça prend encore plus bizarre les lunettes, mais moi, ça améliore mon personnage. Du coup, comme je suis au niveau 7, je peux améliorer ma tenue, en fait, c'est vrai. C'est vrai que j'ai vu que je pouvais améliorer ma tenue. Qu'est-ce qui est mieux? Bon, c'est pareil, hein. Que je fais un ou l'autre, c'est le même, en fait. C'est... Ouais, c'est le même genre. C'est quoi, j'ai vu qu'il y avait un truc. Attends, je sais plus.
La baguette, du coup, équipée celle-là. Logique. Non, c'est bon. C'est bon, les gars. On va enregistrer ça. Hop. Déjà, on va enregistrer. Car. Hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est un coffre qu'on peut pas ouvrir. Rebellio. Un coffre spécial, ça, les gars. Non. Je sais pas. Je crois que vous avez un truc. Non. On va pas y aller. Hein. Bon, au revoir, monsieur. Il a deux portes chez lui. Du coup, on a fait du coup deux endroits, les gars. C'est quoi ici? Ah, c'est là qu'il y a le truc de... Ah! On a encore un autre tenue. Parfois, aller fouiller. Oh. Bon, bah... Celle-ci, t'en as encore plus. Rebellion. Y'a ici l'autre. Non, bah c'est bon, Péry. Salut. Bon. Du coup, le prochain endroit, les potes. Là, on est au près, là. Du coup, attendez. On doit aller. À la prochaine endroit, on doit aller. Je sais même plus c'est où faut aller après. Pas du guide sorcier. C'est quoi là? Prends un sorcier. Vêtements. J'ai envie d'aller voir là-bas. Je sais pas si je peux y aller, mais j'ai envie d'aller voir. Je sais qu'il faut aller aussi à. On avait la magie qui a visé les potions de pépins. On se sur le chemin. On va se promener en même temps un peu. J'ai prétendu que quelqu'un avait une tendance. On dirait Ouais. J'arrive bien à entendre quelque chose. Magasin de farce et la trappe. Ça, c'est à l'époque. Mais avant que ce soit cet endroit-là. Après, dans le futur, il y avait les Wesley, les jumeaux. Eh oui. Les jumeaux Wesley. Le magasin Zoko est fréquenté par de bons nombres d'élèves de Poudlard, de villageois, de Préolard qui vivent et y achètent des farces. Ça, c'est stylé. Oh. Stylé. Rebellion. C'est un signe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Dans le coin, les gars. Oh là, là, là. Juste devant. Il y a un truc devant, les gars. Savant senteur, page de guide. Surprise ambiance, ok. Quiconque entend se laver avec cette savonnette une fois savon immergé dans l'eau, le état fait-il éclore. Début de savon. Ça fait drôle. Rebellio. Ah, il y en a un autre apparemment. Dans le coin. Il peut être sûrement en haut, les gars. On visite avant. Je sais pas où il est le machin. Là-bas. Il est là-bas. Ah, les bombes à bouse. C'est que la gamine que j'avais aidée à retrouver ses jouets là. Ils sont très populaires auprès des farceurs et dégagent une odeur nauséabonde qui. Force toutes les personnes dans l'entour à évacuer dans le plus vite possible. C'est ça que j'avais dit. Oh, oh, oh. Ça c'est stylé. J'avais aidé du coup à retrouver tous ces trucs.
Ah ouais, il y a plein de... de gadgets. Réveillon. J'entends un truc? Ah, ding! C'est en bas, peut-être. Non? Ah, c'est en haut. Ah, c'est là. Puis à haut, les voyageurs avisés savent que certains puits ont à offrir ce qui a plus d'eau. Ok. Petite. Il y en a un dans le coin. J'entends des ting. Il ne va pas très très loin. C'est quoi ici? Stylé. Vous êtes vraiment la plus belle. Et je ne dis que c'est pour ça. Mais oui, bien sûr. Indice qu'elle pense. C'est bien connu. Il dit ce qu'il pense. Rébellion. Ah, les mannequins de Gachifon. C'est un mannequin, moi je suis enchanté des. Après, c'est des. Traitement, mannequin. Ah, ce cerf qui a exposé les tendances du monde des sorciers. Bonjour. Donc j'ai retenu une tenue encore les gars. Si je me promène, j'ai retenu des trucs. Faut se promener de temps en temps comme on voit. Oh. Bah. J'ai une tenue légendaire, mais là. Ouais. Petite tenue gratuite, ça fait plaisir. Bon. Ah, il y avait un truc là. Attends. Voilà. Alors, ça c'est quoi? Une sorte de détecteur de magie noire qui s'allume et qui se met à tourner et siffler lorsqu'il détecte à proximité quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Il doit être usé avec précaution. Attendez que les avoir parce que tantôt là. Ah, ok. D'accord. C'est plutôt pratique, je crois. 7 sur 8. Ce fameux coffre. Je pense qu'il renferme. Rébellion. Bon, bah, j'ai fait le tour. Ici, du moins. Pas là. Rébellion. Chat de qui est attiré par les plumes ou les laissé par la terre. Ces chats semblent ne jamais soigner le matin de plumes. Ok, c'est des chats gardiens. Bonjour les chats. Ah, il y a un petit coffre ici. Il y a un coffre derrière. Ouais.
On se ramène un peu, les gars. C'est quoi comme endroit ça? C'est tout ce que. Ah! C'est tout ce que je corrige, je crois. On mange gratuitement. Oh! Alors, ces délicieux confiseries dont on raconte qu'ils contiennent des dards de bunus sont des petites boules de poudre acidulées qui, au moment de la cuisson, vous donneront l'impression de flotter au-dessus du sol. D'accord. Ah ouais! C'est vrai! C'est stylé! Rébellion! Je regarde, c'est toujours des trucs à découvrir. J'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. C'est quoi ça? Oh. Stylé! Je prends ça en stream, les gars. Je vais essayer parce que j'estime le truc. Ça va marcher. Voilà. C'est trop drôle. Bah bon, j'arrête. J'arrête mes bêtises. Je mange plein de petits gâteaux. C'est gratuit, hein. Il y a une clé là. On peut pas y aller. Attends un truc. C'est stylé ça, comme blague. Oh! Attends, il y en a un là. Voilà! Bonbon explosif sort tendance à exploser en bouche. Même si monsieur gras sont rares, fais bien attention à vos dents. D'accord. Oh, je suis monté niveau 8. Vous voyez, vous vraiment visitez tout le lieu, les gars. Plus que vous visitez un endroit, plus vous êtes sûr de monter des niveaux. Ah, c'est verrouillé. Dommage qu'on ne peut pas ouvrir pour l'instant. Prochaine fois, les gars. Rébellion. Ouais. L'endroit que j'entends, c'est que je peux pas ouvrir pour l'instant. Bon, allez. On a assez visité. Oh. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah, bah, il est là. Bonjour, le chat. Eh bien les gars, on va s'arrêter là pour un petit promenade. Hein, on va du coup passer au suivant. N'oubliez pas, petit pouce bleu, de vous abonner. Comme d'habitude, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Mais n'hésitez pas non plus à commenter, les gars. N'hésitez pas, les gars. Je réponds à vos commentaires. Ça fait plaisir pour les fans de l'univers d'Harry Potter ou de Poudlard, de la magie. Bref, à la prochaine pour des prochaines vidéos. Réactions, les gars, aux commentaires. Pour la suite, tchuss !